Bonjour, ici Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois. Chaque semaine, depuis le début de cette crise, je fais un enregistrement vidéo pour vous parler de ce qu'on peut faire ensemble. Cette semaine, c'est difficile. Il y a plus de 20 000 personnes touchées au Québec, dont des milliers de travailleurs et travailleuses de la santé. On a atteint le cap des 1 000 décès. Je veux vous dire aujourd'hui que plus que jamais, ce qu'on a à faire, c'est de continuer de respecter toutes les consignes pour ne pas alourdir le bilan. Pour les personnes qui sont décédées, nos meilleures pensées à leurs familles et leurs amis. Il est déjà trop tard pour eux. On peut prévenir d'autres cas. Alors, plus que jamais, il faut rester discipliné. Il faut vraiment suivre à la lettre les règles. Je me suis rappelé euh, un slogan du grand premier ministre René Lévesque qui disait ⁇ Sortir... Parler, convaincre. C'est une façon d'aller à la rencontre des gens. C'est un slogan politique qui a inspiré bien les gens au Parti québécois. J'ai eu envie de l'adapter et je me suis dit, on peut encore faire ça. Oui, sortir, prendre l'air, profiter des paysages, mais garder une distanciation sociale. Parler, parler surtout à des gens seuls, des gens qui sont inquiets, les appeler, les réconforter. Puis convaincre encore convaincre plusieurs de nos compatriotes de suivre les règles. Alors, c'est un slogan qui est encore d'actualité aujourd'hui. Cette semaine, bien sûr, le bilan est lourd, j'en ai parlé, mais il y a aussi une nouveauté. On reprend le travail de reddition de comptes face au gouvernement du Québec, parce que les oppositions ont un rôle à jouer pour poser des questions au nom du public, pour s'assurer que le gouvernement prend les bonnes décisions. Et ça va commencer ce vendredi sur l'enjeu de l'économie. Ça tombe bien parce que, depuis le début de cette crise, le Parti québécois en a fait plusieurs propositions positives qu'on va mettre en jeu. Par exemple, sur la souveraineté alimentaire, sur euh, la culture, sur le soutien apporté aux gens en première ligne, notamment les camionneurs. Également sur comment revoir notre réseau de la santé en favorisant euh, la libération de la parole les lanceurs d'alerte que représentent les travailleurs et les travailleuses de la santé, il faut qu'ils puissent s'exprimer sans représailles. Et combien d'autres propositions intéressantes, je pense, qui vont contribuer à euh, avoir une meilleure gestion de cette crise, à ce qu'on puisse en sortir le mieux possible dans les circonstances, parce que c'est souvent difficile. Alors, on continue, on ne lâche pas, et si vous voulez me rejoindre, me proposer des questions que je peux adresser au Premier ministre lorsque je change avec lui deux fois par semaine. Écrivez-moi. Puis si vous euh, réussissez à passer à travers cette crise, à travers euh, de la créativité, de l'innovation, des choses exceptionnelles, j'aimerais ça partager ça aussi. Alors cette semaine, oui, c'est plus dur. C'est peut-être maintenant que le plus dur commence. Mais il faut certainement pas lâcher. On est capable. C'est une grande corvée collective, mais les Québécois n'ont vu d'autres. Alors je compte sur vous. À bientôt.